Dans cette vidéo, je te montre comment résoudre de façon définitive le problème d'échec de confirmation d'identité sur ton compte publicitaire. Je te montre la nouvelle méthode 2022 disponible pour débloquer tous tes comptes publicitaires. Si tu fais de la publicité sur Facebook, je sais, voilà, que tu subis chaque jour de façon permanente ce problème d'échec de confirmation d'identité. Si c'est pas ça, c'est que c'est la désactivation de ton compte publicitaire. Donc, j'ai fait dans cette vidéo pour t'expliquer, te montrer en live sur mon écran les nouvelles astuces, les nouvelles méthodes pour pouvoir débloquer le compte publicitaire, pour pouvoir débloquer ton compte publicitaire en 2022. Si tu veux maîtriser comment débloquer ton compte publicitaire, reste jusqu'à la fin de cette vidéo et sois attentif avec les astuces que je vais te montrer dans cette vidéo. Je vais partager avec toi deux astuces, deux méthodes pour pouvoir débloquer ton compte publicitaire. Qui suis-je pour parler de déblocage de compte publicitaire? Raoul Nioba, c'est mon nom. J'entreprends sur Internet depuis 2 à 3 ans maintenant. J'accompagne les annonceurs de par le monde à faire x10 leur chiffre d'affaires grâce à la puissance des réseaux sociaux, notamment Facebook. Si le sujet te parle, n'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne, à partager ce contenu ou à me lâcher un pouce bleu afin de m'encourager à lancer plusieurs vidéos à ce sujet. Le problème d'échec de confirmation d'identité, déblocage de compte publicitaire est un problème qui nuit énormément d'annonceurs qui font en sorte que plusieurs business s'arrêtent. Moi-même, ça a eu un frein énorme dans mes business, mais heureusement que par mes recherches, j'ai pu me dénicher, trouver des contacts Facebook de par le monde, que ce soit en Amérique, en Inde, des gens qui sont très avancés en publicité Facebook, des contacts au sein de Facebook même, pour pouvoir débloquer les comptes publicitaires de mes clients. À ce jour, j'ai un taux de plus de 99% en termes de récupération des pages et les comptes publicitaires. Donc, si vous avez un compte publicitaire qui est bloqué, n'hésitez pas à m'écrire sur le numéro qui s'affiche juste en dessous de cette vidéo sur WhatsApp afin que je puisse regarder le problème qu'a votre compte et vous aider à débloquer votre compte publicitaire. Sans plus tarder, on va se rendre sur mon écran afin que je vous montre comment débloquer votre compte publicitaire. Pour confirmer son identité, c'est très simple. On va dans notre navigateur et on tape facebook.com/adsmanager. Vous voyez, moi, je l'ai déjà tapé. Ici, on va donc se rendre dans le gestionnaire de publicité. Une fois dans votre gestionnaire de publicité, vous allez voir ces trois trucs-ci. Vous cliquez dessus. Vous rendez dans qualité du compte. Qualité du compte, ça sera pour voir les différents problèmes qu'ont votre compte. Alors, nous sommes déjà rendus dans qualité du compte. À ce niveau-ci, vous allez voir compte restreint. On vous dit, ce compte-ci, j'ai essayé d'entamer une demande et ça n'a pas fonctionné. Et la plupart des comptes en ce moment ne fonctionnent pas. Les confirmations d'identité échouent plusieurs comptes. Sur 100 comptes, il y a au moins 90 comptes qui vont échouer et que 10 qui vont passer. Donc, vous voyez, si on dit vous avez entamé une demande d'examen de votre accès publicitaire sans la terminer, il vous reste 6 jours. Et il y a certains gens qui le font et on met échec de confirmation d'identité ou bien on met compte publicitaire définitivement restreint. Voilà. Donc, quand vous avez ce type de problème, pour résoudre ça, vous cliquez ici. Vous voyez, vous cliquez sur ce bouton vert ici. Vous importez juste votre carte d'identité nationale et vous envoyez à Facebook. Bon, maintenant, si vous le faites et ça ne fonctionne pas, on vous dit que c'est définitif. Ça, c'est la première solution. Vous devez donc passer à la deuxième solution. Alors, ça, c'était la première solution pour débloquer votre compte publicitaire, résoudre définitivement le problème d'échec de confirmation d'identité. Maintenant, la deuxième solution, au cas où ça ne fonctionne pas, parce que la plupart des gens, ça, c'est une solution que tout le monde connaît. La plupart des gens l'ont déjà utilisé. Peut-être toi aussi qui suis cette vidéo, tu as déjà utilisé cette solution-là. Maintenant, la deuxième solution serait d'avoir un contact directement sur Facebook. Je ne parle pas du support Facebook. Parce que je suis certain que tu as déjà essayé peut-être de contacter le support Facebook pour qu'ils puissent débloquer ton compte. Et ils t'ont dit, ils t'ont raconté des bobards en fait. Ils t'ont tourné, ils t'ont dit que c'était possible, ils t'ont dit que c'était définitif. Mais c'est pas définitif. Si tu as des problèmes de compte publicitaire désactivé définitivement, la solution c'est d'avoir un contact d'une personne qui travaille directement sur Facebook. Ah oui, la solution serait d'avoir un contact d'une personne qui travaille directement sur Facebook. Et ça, c'est vraiment pas facile. Moi, par exemple, j'ai mon contact Facebook qui résout tous mes problèmes avec Facebook ainsi que les problèmes de mes clients. Donc si toi aussi, si tu as ce problème-là, c'est la seule solution, c'est de me contacter afin que je puisse te mettre en contact avec mon contact qui travaille directement sur Facebook. J'espère donc que la vidéo vous a intéressé. J'espère que vous avez beaucoup appris. Sur cette chaîne, je partage avec vous les dernières astuces en déblocage sur Facebook. Si vous voulez maîtriser toutes ces techniques-là, n'hésitez pas à vous abonner.
Si vous avez besoin de débloquer votre compte publicitaire, vous m'écrivez sur WhatsApp sur le numéro juste en dessous de la vidéo. On se retrouve dans une autre vidéo. Ciao, ciao!